Bonjour. Le 4 décembre, nous fêtons Saint Jean Damascène, évêque à Damas, vers l'an 700-740. Il priait ainsi. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous tenons en ta présence, ô souveraine, oui, je le répète, souveraine, mère de Dieu et vierge. Nous attachons nos âmes à l'espérance que tu es pour nous, comme à une ancre absolument ferme et infrangible. Nous te consacrons notre esprit, notre âme, notre corps, chacun de nous, en toute sa personne. Nous voulons t'honorer par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, autant qu'il est en nous. Jette les yeux sur nous, ô souveraine excellente, mère de notre bon souverain. Gouverne et conduis à ton gré notre destinée. Apaise les mouvements de nos honteuses passions. Guide notre route jusqu'au port sans orage de la divine volonté. Et gratifie-nous de la félicité future, cette douce illumination par la face même du Verbe de Dieu qui s'est incarné par toi. Avec lui, ô Père, gloire, honneur, force, majesté et magnificence, en la compagnie de l'Esprit très saint, bienveillant et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Qu'est-ce que nous attendons pour Noël? Qu'est-ce que nous attendons pour la fin du monde? Nous attendons une rencontre. Nous attendons cette douce illumination par la face même du Verbe de Dieu qui s'est incarné par toi. À la fin du monde, nous rencontrerons un visage avec des yeux, un sourire, un être avec des bras, Jésus qui s'est incarné en Marie. Et comme à la résurrection, il sera présent en plusieurs endroits à la fois, comme il apparaissait aux disciples, au Cénacle ou sur le chemin d'Emmaüs. Il apparaîtra partout, tous le verront. Mais ce ne sera pas quelque chose d'abstrait, ce sera une rencontre tout à fait personnelle, humaine, humanisante et en même temps divine, qui nous ouvrira la vie divine. Jésus qui s'est incarné en Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.